Morgan, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat Amoriana, Benchana Pegi Batester, Nissim Ben Aouda, aussi le Fouat, Efrat Mayan Batla Bedor Shah pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Avodazara, Perek Alef, Mishnah Het, le En Osin Tarchitin, la Avodazara, Kutla Hot, Unezamin, Vetabaot, Rabbi Lezer Omer, Besachar Motar, En Mochin Laem Bim Choubar la Karka, Aval Mocher Hu Mishi Katsetz. Rabbi Yehuda Omer, Mocher Hu Lo, Almenat Lakot. En Maskirin Em Batim Beretz Israël, Ben Zerich Lomar, Sadot. Ou Besouria, Maskirin Em Batim, Aval Lo Sadot. Mechuz Laaretz, Mocherim Laem Batim, Ou Maskirim Sadot. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Beretz Israël Maskirim Laem Batim, Aval. Lo sadot, ou besouria mochrim batim ou maskirim sadot, bechosalas mochrim elu vaelu. Trois sujets dans la Mishnah. Les deux premiers, ça va être relativement simple. Dans le deuxième, on va introduire le point de base essentiel dans lequel on va débattre dans la troisième partie de la Mishnah. Regardez. Venosin d'Architin l'Avodazara. On n'a pas le droit de faire toutes sortes de bijoux par lesquels on valorise l'Avodazara. Kutla hot ou nezamin vetabot. Kutla hot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les Mefarchim n'ont pas expliqué quel type de bijoux. De quoi s'agit-il exactement? Nezamin, c'est, alors je me trompe, est-ce que c'est les bracelets ou est-ce que c'est les anneaux du nez? Je crois que c'est plutôt, ouais, nezamzav, bafrazir. C'est des anneaux qu'on met dans le nez, dans la vodaza, on veut la rendre belle. Le boudou là-bas, on lui met, je sais pas s'il en a. Et les tabarotes et des bagues. En fait, toutes sortes de bijoux sont interdits de les faire pour la vodaza. D'accord? Même s'il n'y a pas en cela une petite crevette à Avodazara, ils ne vont pas par là servir la Avodazara, mais puisque ça va valoriser la Avodazara, je n'ai pas le droit de leur faire. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Il y a maintenant Rabbi Eliezer qui nous dit, Rabbi Eliezer, Omer, Bessachar Moutar. Rabbi Eliezer nous dit que tu as le droit de le faire. Puisque tu es rémunéré, donc toi, c'est ton travail de le faire. Il y a, c'est bon à savoir, il y a une discussion, est-ce que réellement il y a écrit ça dans la Mishnah ou pas? Il y a tout d'abord plusieurs jeunes qui disent que c'est faux, il faut effacer cette ligne de la Mishnah. C'est impossible que quelqu'un va permettre de vendre des bijoux. Telle est l'avis rapporté dans le Tiferet, dans le Tosfot Yom Tov, il est rapporté par tout le monde. En tout cas, il y en a qui disent qu'il faut effacer ça complètement. Et il y en a qui disent que non, c'est écrit et ils l'interprètent autrement. Ils disent qu'étant donné que je fais des bijoux, Bessachar, que je suis rémunéré, il est possible que malgré tout, lorsque le goy va le recevoir, si je vais toutefois lui faire un beau bracelet, il va décider de l'offrir à sa femme finalement. Donc il n'y aura pas de problème d'avodazara. Puisque pour le moment, c'est une notion de Asmana Lavmiltai. C'est un gros sujet dans le chasse. On ne va pas en parler longuement parce qu'on a une suite longue dans la suite de la Mishnah. Mais en tout cas, le fait de désigner que ce sera probablement pour l'avodazara, il va peut-être finalement se décider de. Il va finalement changer d'avis. Il va l'offrir à sa femme, à sa fille. Et de ce fait, quand je lui fais, je ne suis pas encore forcément en train de lui faire l'objet de Avodazara. S'il décide finalement de le sanctifier pour sa Avodazara, de le sacrifier pour sa Avodazara, ce sera son problème à lui, mais moi je n'aurais pas forcément aidé à faire ça. D'accord? On a fini pour la première partie. Deuxième partie. El Mochin Laem Bim Choubar la Karka. Je n'ai pas le droit de lui vendre quelque chose qui est attaché au sol. Aval Mocher Hu Mishei Katsetz. Par contre, j'ai le droit de le lui vendre à partir du moment où il sera coupé. Soit, si je veux lui vendre un arbre, je n'ai pas le droit de lui vendre un arbre. Par contre, un arbre, on parle qu'on est en Eretz Israël. On va expliquer pourquoi dans quelques secondes. Mais j'ai le droit de lui dire, je te vends l'arbre une fois que je l'aurai coupé. Et donc dans ce cas-là, il peut me le payer tout de suite. Et dès que je vais abattre l'arbre, alors l'arbre lui appartiendra. Telle est l'avis de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, je continue tout de suite, on va expliquer ensuite en même temps. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, Mocher Hulo, Almenat Lakot. J'ai sûrement une virgule, mais il faut mettre un point parce qu'on va changer d'un tout autre, on va passer un tout autre sujet. Mocherou lo almenat lakot, selon Rabbi Yehuda, j'ai le droit de le lui vendre même quand il est encore attaché au sol, mais à condition que je lui dis clairement, je te le vends tout de suite, mais tu as 3 jours pour venir le dégager d'ici, tu l'abats et tu vas le replanter chez toi. D'accord? On touche, là, comme le Barthénois nous le rapporte, la Torah nous a dit lo techonem. Il y a plusieurs interprétations sur ce lo techonem, ne pas leur donner de chen, ne pas leur faire plaisir, on n'a pas le droit d'entretenir des rapports amicaux. Respectueux pour ne pas froisser, on a le droit d'entretenir. Mais en tout cas, se mettre à leur faire des cadeaux, on n'a pas le droit de leur faire. Mais en tout cas, là, s'interprète différemment. Ce lotéchonem est interprété, regardez le Barthénois, la dernière phrase du premier Dibur Matril. Torah amra lotéchonem lotiten lochanaya bakarka. Tu ne lui laisseras pas s'installer sur ton sol. La terre d'Israël nous a été donnée à nous. Il y a un interdit de la Torah de lui vendre
une parcelle d'Eretz Israël, et même pas une parcelle, même un arbre qui est rattaché au sol. Je n'ai pas le droit de lui donner quelque chose qui est attaché au sol. Il y a un interdit de la Torah explicitement à Eretz Israël, il nous appartient, on la revend pas au goyim. Ok ? Et donc, Rabbi Yehuda va nous dire, sur ce petit détail-là, il va nous dire, écoute, c'est vrai, tu n'as pas le droit de lui vendre, mais si tu lui vends un arbre qui est censé être abattu, on a une règle, c'est pas rapporté ici, mais je suppose que c'est lié, que Kol Omediktos Katsuts Domi, tout ce qui est sur le point d'être abattu, il est considéré comme abattu. De ce fait, tu lui vends un arbre et tu lui dis bien clairement, je te laisse 3 jours pour venir l'abattre. De ce fait, il n'a pas checké, il n'est pas rattaché au sol. Il est potentiellement Omed Leikatset, il est apte à se faire abattre le plus rapidement possible. Il est considéré comme déjà coupé. Ok, maintenant, on va mettre un zoom beaucoup plus grand sur la mitzvah, l'interdit de lui vendre. Je répète, je n'ai pas le droit de lui vendre un terrain en Eretz Israël. Je n'ai pas le droit de lui vendre une maison. J'ai pas le droit non plus de lui vendre aussi un champ pour une deuxième raison. Je vous introduis tout de suite, je vais faire entrer tout de suite les notions qui vont nous aider ensuite. Comme ça, quand on va lire la Mishnah, c'est très simple. On va différencier vendre et louer. Louer une maison à un goy, en théorie, il n'y a pas d'interdit, si ce n'est pas le problème dans la Mishnah. Dans la prochaine Mishnah, on verra un autre problème. Ça dépend pour quel usage tu lui vends, à condition qu'il ne fasse pas de vodazara chez lui. Mais en tout cas, pour le moment, louer une maison à un goy, si c'est pour faire entrer ses animaux, pour entreposer dedans des objets, on a le droit de la lui louer, mais pas de la lui vendre. Lui vendre est un interdit de l'autochronem, ça c'est vendre. Maintenant, on va, à part ça, si je lui loue, je lui vends un champ, je transgresse, à part ça, je fais un deuxième problème dans cette histoire. C'est que non seulement je lui donne une chanaya bakarka, je lui laisse s'installer dans le sol, mais en plus de ça, il y avait en théorie une production agricole qui devait pousser, de laquelle on devait être mafriche, le tomate ou masrot. On devait donner une part des taxes aux Kohanim et aux Levim, c'était pour les entretenir. Et puis maintenant, lorsque je vais louer ou donner au Goy, alors, il va s'avérer que les Kohanim et les Levim ne vont plus recevoir leur part qu'ils devaient recevoir. Donc il y a un deuxième problème. Regardez bien donc, l'interdit de vendre la maison. À cause de ça, on ne loue pas une maison, c'est une xéra. Et en plus de ça maintenant, il y a quelque chose de plus grave, c'est de louer un champ. Parce qu'en plus de ça, on rajoute le problème qu'on ne va pas donner au goyim. Maintenant, la Mishnah va nous différencier entre 3 sortes de terres. La terre d'Eretz Israël, ce qu'on appelle Souria, c'est la Syrie. David Ameler, lorsqu'il a régné, il a conquis une grande partie de la Syrie. Et lorsqu'il a conquis la Syrie, ça s'appelle un kibbutz yachid, une conquête personnelle, individuelle. Elle a un statut bien particulier dans la Torah. Elle ne prend pas la Gdusha d'Eretz Israël. Malgré tout, Ramim ont instauré de prélever quand même des tourments ou maasrot là-bas, mais pas avec le même degré d'Eretz Israël. C'est un niveau moindre. De ce fait, on va être plus permissif, comme ce qu'on va voir, on va descendre un niveau. C'est-à-dire, en Eretz Israël, on va être très marmire, ni tu vends, ni tu loues, de manière très stricte. Lorsqu'on va passer en souriant, on va te permettre certaines choses. Et puis, la troisième type de terre, c'est Chutz La'aretz, la diaspora, les autres pays complètement. Chutz La'aretz exclut complètement ni d'Eretz Israël, ni même de Souria, qui ont un statut encore moindre, où on pourra faire encore plus de choses, comme ce qu'on va découvrir. Il y a en cela une machloquette, Rabbi Meir et Rabbi aussi. On va commencer par la vie de Rabbi Meir. En maskirin elam batim b'Eretz Israël, on n'a pas le droit de louer une maison à un goy. C'est-à-dire, si j'ai une maison, je suis propriétaire, je n'ai pas le droit de laisser un goy y habiter dedans pour une durée même limitée. Xera, un décret, de peur que je vais en venir à lui vendre. Et en plus de ça, ve'en tzarich lomar sadot. Et bien évidemment, c'est même. Il va sans dire que c'est interdit non plus de lui louer un champ. Parce qu'en plus de ça, de lui donner de faire une xéra de peur que tu vas lui vendre, et en plus de ça, le fait que tu vas supprimer les tourments ou massantes. D'accord? Ça va pas venir dans le bâton noir, regardez vite fait si vous voulez. Avalos adot, des catartés, les soirées, il y a deux problèmes de l'histoire, ça va pas venir dans le chien d'avant qu'on annule les massantes. Ensuite, Ubesuria, maintenant on descend d'un niveau, on est passé dans la Syrie. Ubesuria, alors dans ce cas-là, maskirim lem batim, avalos adot. On va te permettre de louer une maison à un goy, parce que là il n'y a plus de histoire de chanaya. Tu n'auras pas le droit de le lui vendre, parce qu'on va faire une chanaya midera banan, de peur que tu vas te confondre avec Eretz Israël. Mais louer, comme ce qu'on a déjà rapporté, tu fais une barrière, tu fais pas une barrière à une barrière. De ce fait, le problème c'est vendre en Israël. En Israël, on va interdire même de louer. Vendre en Chutz La'aretz, c'est déjà une xéra, de peur que tu vas confondre, en Souria, de peur que tu vas confondre avec Eretz Israël. Mais on va plus t'interdire de louer au goy. Mais malgré tout, par rapport à Valo Sadot, pour les champs, tu ne pourras pas leur louer. Au goy, si tu as un champ, en Souria, en Syrie, tu n'as pas le droit de le louer au goy. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci,
tu vas un bâton rapporte, il y a tenté l'histoire. Il y a deux problèmes. Il y a une double xéra, de peur que tu vas faire ça, même en Israël, tu vas supprimer le tomate masot. Ou Bechutz Laaretz maintenant, plus loin que ça, à l'extérieur d'Eretz Israël et de la Syrie, alors tu as le droit de mocher une même bâtiment, tu as le droit de leur vendre une maison. Alors qu'en Syrie, on t'interdisait de vendre, on te permettait de louer. Maintenant, même la maison, on va te permettre de la vendre en Chutz Laaretz. Par contre, on maskirin sa dot. Pour les champs, tu n'auras le droit que de les louer, mais pas de les vendre. Ouais? Parce que les champs, comme en Eretz Israël, il y a un double problème. C'est plus grave. De ce fait, on veut garder ce rapport que les champs, c'est encore plus strict. Comme ça, tu ne vas pas te mettre à confondre. Lorsque tu vas revenir en Eretz Israël, tu vas tout de suite te souvenir que c'est très grave de louer les champs. Ok? C'est clair? Donc, on reprend. En Eretz Israël, ni tu vends, ni tu loues. Ni les maisons, ni les champs. À plus forte raison, parce que les champs, c'est encore plus grave. En Syrie, alors un niveau moindre, tu as le droit de vendre une maison, excusez-moi. Oui, tu as le droit de vendre une maison. Non, tu as le droit de louer une maison, excusez-moi. Tu as le droit de louer une maison, pas de vendre. Mais tu n'as pas le droit de louer même un champ. En Chutz Laaretz, tu as le droit de vendre une maison, mais les champs, juste tu les loues. D'accord? Ok, c'est clair? Ok. Donc, on a fini avec Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Beret Israël, Maskirim Laem Batim, Aval Lo Sadot. Lui, Rabbi Yossi, il fait tout descendre d'un cran. Il nous dit, écoute, Beret Israël, tu as déjà le droit de lui louer une maison. On ne fait pas une xéra de srirout à tout, de peur que tu vas te mettre de une location, on va t'interdire la location, on ne t'interdit pas de peur que tu vas confondre avec la vente. Pour les maisons. Avalo Sadot, mais pour les champs, on garde quand même ce rapport que le champ c'est tellement grave qu'on ne va même pas te permettre de le louer, puisque de toute façon, lorsque tu vas louer, à cause de cela, déjà il ne va plus prélever le tombeau de Masrat. D'accord? Ensuite, Bessouria, en Syrie, cette fois-ci, Mochrin Batim, tu as le droit de vendre des maisons. Ce que Rabbi Meir interdisait, Rabbi aussi permet. Tu as le droit de vendre une maison. Aval ou Maskirin Sadot, pour les champs, juste tu les loues. Regardez qu'il est beaucoup plus cool. On va le reprendre après, vous inquiétez pas. Ou Bechutz Laaretz, et en diaspora, à l'extérieur de Eretz Israël et de Souria, Mochin Elou Vaelou, tu as le droit de tout faire. C'est clair? Regardez, on reprend encore une fois. C'est très simple. Il faut juste comprendre d'où on vient et où on arrive. En Eretz Israël, Rabbi Meir, lui, il interdit tout. De ne pas louer, de peur que tu vas confondre avec vendre. Il est très mahmir. Et chaque fois maintenant, quand on va s'éloigner de Eretz Israël, on va devenir un petit peu plus permissif, mais on sera chaque fois à cheval. On va plus permettre les maisons et moins les champs. Donc, dès qu'on va passer en Souria, on va te dire, en Syrie, tu as le droit de louer une maison, mais toujours pas les champs. Et lorsque tu vas passer en Chutz Laaretz, on va dire, cette fois-ci, tu as le droit de vendre une maison, mais tu pas le champ. Le champ, juste tu le loues. Ouais, on a descendu chacun d'un niveau au fur et à mesure qu'on s'est éloigné. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, lui, il commence, il nous dit, écoute, en Eretz Israël, déjà, tu as le droit de louer. Je t'interdis même pas de louer une maison, de mettre en location ta maison. Mais je t'interdis de mettre en location ton champ. De ce fait, il va passer en Souria, en Syrie, il va descendre un niveau, il va me dire cette fois-ci, les maisons, tu as même le droit de leur vendre, tandis que le champ, tu as juste le droit de le louer. Et dès qu'on va passer en Chutz Laaretz, on va dire, allez, si tu permets tout, c'est fini, d'accord? Et on a fini la Mishnah, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salah.